Bon, on va jouer à un jeu de mon enfance. Destroy All Humans 2. Qui est sorti aujourd'hui, du coup, le 30 août. Trop envie d'y jouer. Mais je voulais quand même vous montrer un truc avant. Pour montrer à quel point ce jeu a marqué mon enfance. Et ça fait longtemps que je le connais. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai dans mon temps fait des vidéos sur Dailymotion. Et il se peut qu'il y ait 12 ans. Il y a 12 ans, très exactement. J'ai fait une vidéo sur ce jeu. Car ce jeu date de la PS2. Et j'ai fait une vidéo dessus il y a 12 ans. Et là, c'est bien, c'est moi. C'est vidéo redécouverte Destroy All Humans 2. J'ai joué à ce jeu en vidéo il y a 12 ans. Voilà. Eh oui. Eh oui, eh oui. Ah oui, l'intro. C'était mon intro d'avant, ça. Ah. Putain, mais avant, j'écrivais comme ça, vraiment. Quel enfer. Regardez. Alors, en planète, on a... Ah. Excusez-moi, je... Ouh. Alors, pour vous montrer vite fait ce que c'est, pour ceux qui voient pas ce que c'est comme type de jeu, en gros, c'est un jeu avec plusieurs planètes, comme vous pouvez le voir. Donc, il y a Tunguska, Bay City, Albion, Takoshima et Solari. Et le but de jeu, bah, c'est un GTA, on va dire. C'est un petit jeu GTA, on peut dire. Gestion, enfin, comme vous pouvez voir, on joue un alien qui peut diriger les humains, leur faire des choses, leur péter la gueule, ce genre de conneries. Et donc ce jeu qui date de 2006, sorti sur PS2, a eu un remake, qui est sorti aujourd'hui. Voilà. La voix. Donc à la fin du vidéo, c'est beau. C'est bon, c'est beau. En effet, c'est beau, mais faut arrêter les conneries. Bon, j'ai pas fait la mise à jour de ma carte graphique. Je vais tenter de jouer clavier. Si c'est trop la merde, on jouera à manette. Mais en tout cas, on va jouer à jeu du bonheur. Un jeu qui me hype trop. J'espère ne pas être déçu parce que beaucoup de reviews sont assez négatives. Mais la nostalgie prendra le pas. J'espère. Je monte un peu le son. On est parti. Let's go. Du coup, on va se mettre en vétéran. Les temps sont durs, mais vous avez vu d'autres, c'est vrai. N'importe quoi, tant qu'on aimait le prix. Pour Fendeur d'Humain, rien n'est trop difficile pour l'ultime Furon. Bon, on pourrait jouer en mercenaire, mais j'ai pas envie que ce soit trop dur. Surtout que je sais qu'il y a des missions qui sont très très dures. Je me rappelle de missions assez galères. Donc, je pense qu'un petit vétéran, pour redécouvrir le gentil, c'est suffisant. C'est parti. Humains de la planète Terre, soyez informés. Bien que l'expérience ait été améliorée, le contenu et la reconstitution historique de l'invasion originale des Furons restent un clone pratiquement identique. Le récit, les paroles et les images présentées ici peuvent être choquées. Peuvent être choquants. Ouais, choquant. Ok, pour être humain. Première partie du coup, Bay City. Comme vous pouvez le voir, dans une époque assez spéciale de notre planète. En tout cas, les images sont trop stylées. Premier Comrade Mielenkov, Comrade Agents, thank you for coming. Here's what we know so far. 10 years ago, the United States government covered up an invasion by an alien race known as Furons. And their primary agent was this Furon, Cryptosporidium 137. Dangerous, unpredictable, and now, deceased. So, what is being problem? The problem, Comrade, is that Furons can clone themselves and pose convincingly as human. And they've used these abilities to put Cryptosporidium 138 into the White House. And the American people are not noticing? Right. Pull the other one. Even worse, this new crypto clone contains pure Furon DNA harvested from human brains by Orthopox 13, mastermind of the invasion. He also bears a mysterious new mutation referred to only as the package. Le full package. These aliens pose a dire threat to the Soviet Union, comrades. And so must be
destroyed. Wow! Trop stylé, putain! Trop stylé, hein. Ouais, ça m'a l'air marrant. Bah, ça va. Ah oui, je crois qu'il n'y a pas de voix française, par contre. Oh. And Orthopox? Conducting experiments in the Furon mothership. Savages. Degenerates. There's only one way to deal with such men. Revolution. Bon, ça, c'est des explosions, ça. Greetings, comrade. Mother Russia sends her regards. Oh, oui. You expect me to beg, human? No, little Furon. I expect you to die. Mine's bigger. Et du coup, nous jouons. Donc, on joue ce petit personnage, comme vous pouvez voir. Ah, déjà, les touches sont pas bonnes. Ça commence très très bien, sachant que j'ai littéralement. Ça a reset toutes mes touches, ça ira. Hop là. Non, si ça s'amuse à reset toutes mes touches alors que je les ai fait juste avant. Les dialogues sont un peu bas. Ben je vous change ça de suite. Voix. Hop. On y va. Alors comment je dois le buter moi? Pardon, madame. I must have been drunk. Wouhou. Je pense que c'est bon, on l'a éliminé. Donc vous voyez, on commence dans un petit petit festival hippie. Donc on joue ce petit personnage du coup, qui s'appelle Crypto. Qui est du coup un alien qui a été remis sur pied, on va dire, par la Maison Blanche. De ce qui a été compris, en tout cas. Attends, je vais juste changer ça. Mettre un peu plus haut. Hop. Et donc là, bah notre vaisseau mère a été éliminé par les agents du KGB. Ah oui, je voyais ce qu'il voulait dire quand il disait que ça manquait de FPS. En fait, le jeu est par contre, no joke. Je sais pas si c'est moi, mais je trouve que le jeu est magnifique. Je viens de voir un truc, attendez. Je viens de voir un truc, ça je vais le faire maintenant. Ah. Ok, c'est bon. Voilà, comme ça moi je ne suis pas sur. Bon, faut qu'on élimine les agents du KGB. Sauf que je ne vois pas où sont les agents du KGB actuellement. Et où sont-ils? Oh, c'est incroyable. Vraiment, je vous jure, c'est incroyable de rejouer à ça maintenant quoi. Champ de confinement en approche, faites demi-tour. D'accord. Et où sont les agents du KGB? Il a déjà cassé le jeu? Et. Pas dans la ville? Là-bas. Salut! BAM! Brrr. Donc, comme vous pouvez voir, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un genre de GTA quoi. Sauf qu'on contrôle un alien et puis on peut faire plein de trucs avec. On a un truc pour électrocuter les gens, on peut les balancer. On peut faire plein de bails. On peut prendre un petit coussin. Ouais. Ah par contre, attends, on m'avait dit tout à l'heure qu'il y avait un truc pour retirer les musiques DMCA. On va peut-être faire ça maintenant. Musique en streaming des... Ouais, voilà. Ouais. Il me semble que dans le jeu, il y a des musiques un peu... Ouais. Pas forcément libre de droit, si je peux utiliser le terme. Où est-ce qu'ils sont ces... Ouais, mais ils sont où tes cons de... Mais dis pas que le jeu est déjà buggé. Là. Mais c'est la police. La police.
Attention à la limite. Bah oui, mais ils sont où les agents du KGB? Commence mal cette histoire. Déguisement Rocky. Car oui, on pourra prendre contrôle des êtres humains. C'est un truc qui existe. Je pense que je devais pas le dégager, le mec devant. Hein. Charger le dernier point, hop. Très réaliste la mission. Bah déjà on joue un alien donc au niveau réalisme ce jeu est déjà au-dessus de, largement au-dessus des autres quoi. Ah mais le gars de Taylor était intuable, c'est pour ça. Ah, ceci explique cela. Oui. Allez salut. Ah voilà, c'était bugué. C'était bugué ouais. Ouais. C'était bugué. Ok, au moins on sait. Oui, non, je sais tout ça, je t'inquiète pas. Ouais, la manette, c'est bien plus jouable à la manette quand même. Crypto, these KGB agents are trying to fricassee my motherboard. Hurry up. Ah, mais d'accord, faut le tenir et dès que c'est rouge, on peut le lancer. Télékinésie, c'est. Ouais. C'est ce que je viens de faire. Véritable arme spirituelle, ouais, tu maintiens et tu changes plus, tu larges plus loin. Je télé contre les murs et tu peux annuler la charge avec Y. Très bien. Ici, bon, là, lui. Ah. Let's go. What the... Oh, ce panier. Très bien. Crypto, the mothership has somehow been destroyed and I've been blown to smithereens. Luckily, I was able to download a copy of my exquisite mind into this holopox unit just before the ship exploded. Gee, that is lucky. Virtual pox, huh? Kinda constricting, ain't it? Well, beggars can't be choosers. Demandez des armes lourdes à Pox. Vas-y, hein. I need to bring in some big guns. Know where I can get my hands on some... I did manage to jettison some data cores before the mothership was hit. You might be able to recover some weapons from them, if you can find any. But it certainly won't be easy. J'aime beaucoup les détails. Regardez le crâne. J'aime beaucoup les détails du crâne, genre t'as des trucs qui bougent, tu vois l'intérieur et tout. C'est tellement stylé. Okay, so, where are the data cores? That's just it. They could have entered the atmosphere at any time, in any place, and therefore landed anywhere on the planet. I've managed to locate only one. It was ejected after my holopox unit, so it landed quite nearby. Alors oui. Je peux mettre la cam. C'est un jeu de récolte aussi, hein. Donc évidemment le 100% sera à faire. On fera le maximum, hein. Partir pour récupérer le cœur de données. Interroger Pox sur les cœurs de données. Vas-y. Ah, c'est calme. Data core? You never studied, did you? A data core is a device used for storing weapons or other Furon technology. The outer casing is extremely dense and should have easily survived the fall to Earth. The only real trick will be finding them. Le jeu est beau, hein. En fait, ce qui me choque, c'est vraiment que c'est... En fait, si tu savais pas que le jeu était sorti en 2006, tu dirais « Oh, ce sera pas leur nouveau jeu. » Mais c'est un remake d'un jeu de 2006, quoi. Et c'est un vrai remake, c'est pas un... Enfin, juste... Ouais. C'est pas juste une réédition, quoi. Tu sais, c'est pas en mode ils ont fait une petite mise à jour graphique. Là, c'est vraiment la mise à jour graphique, elle est insane, je trouve. Vraiment, hein. I didn't bring any with me. Figured heavy artillery ain't exactly the smoothest way to charm the jeans off a pacifist hippie chick. I knew it! I knew your unnatural interest in humans would bring us nothing but trouble!
C'est un baiser, hein. You're harshing my buzz. Mellow out, Poxy. C'est un baiser, hein, que voulez-vous. Easy for you to say. You weren't blown to pieces just seconds before restoring your own genitalia. Well, I guess there's nothing left to do but scout the area and find that data core. Il me semble que dans le jeu de base aussi, il n'y avait pas des voix en français. Hein. Il me semble. Hein. Je sais plus exactement, mais il me semble que tu les as pas non plus. Hein. Bam! Hop là, petite balade. Ah, et donc comme dit, hein, c'est un... Donc c'est... Voyez-le comme un Synth Row, ouais, j'ai vu dans le chat, vous disiez plus un Synth Row, ouais, c'est un Synth Row, on peut dire. C'est un Synth Row où on joue en alien et on essaye de survivre à des gens qui veulent nous éliminer. Par exemple, actuellement, c'est le KGB. Et au fur et à mesure, vu qu'on changera de map, il me semble que ce sera... Vu qu'au fur et à mesure on changera de map, je crois, si je dis pas de bêtises, que les ennemis qui nous attaquent changeront. Ah, mes yeux. Hop là. Bon, la maîtrise directement. Ah. Bam. C'est cinématique. Et on débloque le jetpack. Très sympa comme cinématique. J'entends lancer la PS2, la trad FR. Ne comprenez pas le doublage, on est d'accord. Hein. Ils ont vraiment gardé le truc, vraiment... Comme à l'époque, quoi. Oh, le jetpack de fou. Just like in dreaming. Boing. Oula. C'est un peu trop loin. Oh, bonus. Eh hey mec. En fait, c'est un jeu qui fait ça un peu violent parce qu'il me semble qu'on peut, exploser le crâne des ennemis et tout pour récupérer leur cerveau et tout. Donc c'est pas impossible que. C'est pas impossible que le jeu soit un peu violent. Par moment. Vous êtes habitué, hein. Oh, c'est tellement agréable de se balader en vrai. Ah ah! Tu as cru que j'étais tombé en haut? BAM! Comment ça, plus un bonus? Ça veut dire quoi, plus un bonus? Ah donc, leurs balles elles vont très lentement par contre. Mais où? Objet, hop là, l'objectif facultatif a été fait. Maintenant on peut y aller. Hop là. Ah oui, du coup ma cam était un peu dessus, ouais. Faut que je remonte encore ma cam du coup. Waouh! En vrai, c'est beau! Je trouve que c'est beau en vrai. Je trouve vraiment que le jeu est beau. Hein. Dislocuteur. Oh oui, bordel, c'est ça! Oh oui, oh, cette arme est incroyable. Cette arme est vraiment folle. No joke. Je crois que c'est l'arme la plus drôle du jeu. Ah, mais non, mais il y a lui qui parle aussi. Mais je vais me mettre où, moi? Oh l'enfer. Bon. En fait, tu envoies ça. Et en fait, après, tu peux faire ça. Voilà. En fait, ça fait rebondir tout, genre. Genre comme ça, regarde, bam. C'est la meilleure arme du jeu. En haut à droite. Ah, faudrait que je me retourne ma cam, du coup. C'est vrai qu'on peut... Je peux mettre ma cam là-bas, si vous voulez. Attention. Et je twist. Oui, parce que moi, les streams où les gens regardent... Où les gens, quand tu streams, la cam, elle regarde pas le jeu, ça me dérange. Du coup, bah, faut que je retourne la cam. Mais bon. Ah. C'était un peu plus ragdoll quand même à l'époque, je suis un peu déçu.
Whoop. I will be having you deported. Whoa! I am choosing life. Incroyable. Allez, regarde, tiens ton pote. Ok. Non, mais évidemment, c'est, évidemment, les armes, on peut les améliorer. Et au fur et à mesure, ça fera de plus en plus de dégâts ou ce genre de conneries. Ouais, c'est, en vrai, c'est, je trouve ça propre. Hein. Manque un petit peu de fluidité, juste. S'il faut râler. Mais en vrai, c'est bien. Ah. Mission accomplie. Full loading in Base City. Évidemment, on a fait un 100%. On essaiera de faire le maximum, évidemment, à chaque fois. Mais bon, au revoir. I don't understand it. We blew that alien spacecraft out of the sky, and yet the shriveled geriatric one somehow survived. These Jopas must be harder to kill than we thought. I spit on them. Nonetheless, inform the Kremlin we shall proceed with the operation as planned. Tell them we need as much Revelade as they can ship, as quickly as they can ship it. Da, Agent Orenchov. And our American distributor? He suspects nothing. In fact, he seemed quite enthusiastic about the whole idea. He thinks he'll be spreading revolution in a paper cup. And so he will. But not, I think, the sort he expects. Idealists. I spit on them! Pih! Pih! Oula. Stalin, he understood. Ideas may start revolutions, but guns and gulags finish them. Well, no matter. Soon the citizens of Bay City will be embarking on a very bad trip. Ça, c'est notre époque, hein. J'ai de la moustache quand même. C'est un peu jeune de sa moustache. Destruction de masse ou hallucination de masse? Les Hashburian accusent l'apocalypse. La police, une performance artistique. Hippie volant. Hippie violente. Hein? Ah! Oh putain, attends, quoi? Attends. Et la police, une performance artistique hippie violente. Ah ouais, c'est un peu bizarre quand même. Ouais, la traduction est un peu bizarre, mais ouais. Ok. Ah, let's go. Bon, bah écoute, mission directe, on va continuer. Hein. Où sont passés les enfants des fleurs? Jeez, Pox, my head's still spinning. What the hell's going on around here? Why are those Ruskies gunning for us? Frankly, I'm more concerned with how the KGB managed such a successful twin strike. They're not usually so organized. We need to find them, Crypto, before they spring any more surprises. Demandez où trouver ce KGB. Accusez les hippies d'aider les KGB. Le KGB. I should have known. The drugs, the alcohol, the loose chicks, the signs, they were all there. It's obvious those hippies were trying to lure me in, so I'd let my guard down. Nice try, hippies. But I'm not just any mindless hedonist. I'm the best! Don't worry, Pox. I've got this covered. I'll wipe out every one of those bastards for what they did to my guns! And you! Slow down, Crypto. I doubt hippies had much to do with ambushing you and destroying the mothership. Oh. Damn. What do I see? On the other hand, their brains don't provide much usable DNA anyway. So knock yourself out, if you're so inclined. Okay, so what? I just start knocking on doors and doing the slice and dice? You do not! The KGB are hardly likely to hang around if you just start indiscriminately blowing away humans. Yeah, well, I was just
brainstorming. Well, stop. I've done a little research. Ouais, ta gueule. Arrête. Apparently, there's one. Tu brainstormes? Arrête. Main city who always knows what's going down on the streets. They call him the freak. Parlez de the freak. The freak, huh? Yeah, I've heard about him. Cat's got connections all over town. He's kind of a burnout, though. From what I hear, he doesn't even need drugs anymore. He lives in his own personal mental lava lamp. But if any of those stinky monkeys knows what the KGB are up to, I bet he does. And I suggest you locate him and find out what he knows. Comme sympa que l'alien ait quand même un bel accent british. Pas mal quand même. Hein. All right, enough chit-chat. I'm off to find our little hippie friend, the freak. Hey, let's go. Ah, mais c'est vrai que plus j'avance dans le jeu, plus je me souviens de petits détails ici et là, genre. Ah, une vraie cinématique. Ah oui. C'est quoi, c'est des lunettes rayon X? Fais gaffe parce que sur Twitch, j'ai avoir des problèmes si c'est ça. Après bon, s'ils ont fait une OP, c'est que c'est bon. Amour libre. L'amour libre force les ennemis à danser. Que la fête commence, cibler suffisamment d'ennemis et l'amour libre pour forcer tout le monde à danser. Au niveau d'alerte les plus hauts, plus de danseurs sont... Enfin ouais, d'accord. C'est la même musique à l'époque. Incroyable! Et voilà! Et on peut devenir des êtres humains du coup. Tu peux par exemple t'en servir pour. Voilà, pour dire que. Pour retirer les. Enfin, pour dégager les gens ou ce genre de choses. Target eliminated. Call them off. Yes, sir. All units stand down. Voilà, voilà. Du coup, on peut devenir n'importe qui, hein. Mais on peut évidemment faire ça. Hein. Mais danse un petit peu, les gars. The freak is supplying the whole damn comm unit to Park, and yet he still can't get any action. What a loser. Ah, eh. Ils ont un, eh. Franchement, je trouve que les PNJ sont vraiment stylés, hein. What are you, my proctologist? Ils sont pas dégueux, je trouve, hein. Vraiment, hein. Ouh. Hop là. Oh god. Not the voices again. Hein? It's Nikita Khrushchev! Ça fait quoi la possession furique? Ah oui, bien sûr. Ah ouais, ils ont pas. Ah ouais, ça va, ils sont pas fait chier, ils ont fait un truc. On dirait un doigt. On dirait un petit doigt. Comme en possession des ennemis et toutes leurs armes. Ouais, normalement, ouais. Ah, j'ai pas fait celui-là, ouais. What's wrong with me? I can't get no girl with action. Maybe I'll ask the freak for some tips when I get back to the park. He has to fight the chicks off. Of course, he's also their dealer. Ce petit bruit. Et donc après, je sais pas comment on s'y prend pour... Alors oui, vu que j'ai pris l'édition un peu spéciale, du coup, je peux avoir ça, quoi. Je peux avoir des skins. Hein. Waouh. Waouh. Oh, mais non, le nombre de skins qu'ils ont fait, bordel. C'est... Ah, il est trop bien. Ah, il est incroyable. Bon, par contre, après, il y a ça. Aucun abus, hein. Monsieur Q propre.
Oh la référence. C'est quoi le nom du film déjà? C'est quoi la référence de ce film? Où t'as un mec qui est en slip avec justement les deux ceintures là? Merde, comment il s'appelle? Ah merde, j'ai plus la ref. C'est pas une référence à un nanar. Ah, j'ai plus le nom, bordel, quel enfer. Y'a quoi d'autre? Oh bah BFG bien sûr. Bon, des skins manquent de texture quand même dans le menu hein. Oh, zombie. Oh oui. Non, c'est pas Borat. Moi je suis chaud pour celui-là moi. Ok bro. En plus ça bouge. Ça bouge. Ça va les boys. Mais non, tout est ok. I wonder where the freak went. Probably up on the hill doing his mountaintop hermit routine. Weirdo. Bien sûr. C'est Zardoz, c'est ça. Zardoz, exactement. Zardoz avec Sean Connery, tout à fait. Parlez à The Freak. Bien sûr. Hey there, Moondoggy. I'm looking for a dude with his ear to the street. The kids call him The Freak. You found him? But I'm all tapped out, man. The heat's coming down on me, you know. Try me next week. Well, what I need is information. What do you know about the Ivans in the cheap suits who crashed our party? You mean those KGB cats? Yeah, those dudes are straight, all right. They make Jack Lord look like Abby Hoffman. On a pas toutes les refs, mais bon. They didn't crash, man. Au moins. They were invited. Who invited the KGB to harsh our buzz? From what I hear, c'est très 2022 en ce qui se passe. He leads the commune. I don't know his real name, but he calls himself Coyote Bongwater. Which is pretty righteous. Supposedly, he's like this master of tantric meditation and spiritual healing. All I know is Cat's got the chicks eaten out of his hookah. Okay, you've piqued my interest. Where do I find Coyote Bongwater? Well, from what I hear, he's kind of paranoid. Doesn't hang out at the park for long. I heard he's got a pad someplace, but I don't know where. What I do know is he's cutting into my livelihood. Dude's been handing out this new turn on, a drink like in a can. He calls it Revelade. Ain't that a bitch? The Revelade. That's your in. Find some Revelade and you'll probably find Coyote Bongwater. Ah, c'est très... Ça se voit qu'on est dans un truc un peu hippie, parce que entre les noms et tout... What's in this Revelade stuff? He claims it's like an all-natural elixir that enhances your cosmic awareness or something. Bongwater says it's the first shot in the global revolution against the man. Great. Pourquoi il y a des herbes qui bougent au début de l'été? The monkeys aren't revolting enough already. Thanks, freak. I gotta go find Coyote Bongwater. I can't believe I just said that. Let's go. Faut qu'on trouve du coup Coyote Bongwater. Mais vous avez vu, par contre, vraiment, je trouve ça fou que ils ont, il y a plein de détails qui étaient pas utiles. Ils ont vraiment fait des trucs très très propres. Genre, je trouve que des PNJ, genre, ils ont vraiment des détails sympas. Genre, vraiment, c'est trop, vraiment. Ce remake est incroyable. Et je suis trop content que ce soit un remake aussi stylé sur un jeu comme ça, sur un jeu de mon enfance que j'ai adoré. Tu trouves ça saccadé? Bah c'est peut-être la capture hein, qui est saccadée hein. En vrai hein. The adventures of Luke Starkiller? Yeah right! You keep dreaming, Georgie! D'accord. Thank God I'm part of an irreversible worldwide student-led anarchist revolution. So long, US government! D'accord. I've got a secret plan to get us out of Vietnam by Christmas. Why won't anybody listen? Quoi? Yeah. Awesome. La physique des cheveux, mon dieu.
Yo mec. Oh, ils ont même fait les détails pour ça. Non mais c'est des rois. Non mais c'est des rois, je suis désolé. Ils ont même changé le jetpack genre. Ah ouais. Ah ça valait bien 20 balles de plus hein. Ça valait bien 20 balles de plus pour l'édition spéciale hein. Attention mec, tu t'envoles. Hop là. C'est quoi ça du coup? Ah oui, c'est pour dire. The fuck? Ah oui, non, je voulais regarder par contre pour améliorer les armes, comment ça se passe. Ah voilà, regardez tout ce qu'il y a à ramasser, regardez. Oh, toutes les affiches à ramasser. Oh, toutes les illustrations à trouver. Les dossiers secrets. Oh là là, il y a tout un truc à trouver. Oh oui. Oh là là, on va y passer du temps sur jeu. Et ça régale. Wouhou. Donc là, il faut que j'analyse les pensées des gens ici. What? Oh. Oh mec! Back up, pig! Hop là! Tout va bien! Ah bah c'est bizarrement, ça doit être là ça. Ça doit être ici genre. Krustia, now he was a stitch. Bonjour, je peux rentrer? Ah moi je peux rentrer. And next week, we'll start one-on-one Shakti tutoring. I'll be giving each of you private, hands-on instruction in Kriyanish Pati, the highest state of tantric arousal. These sessions can run 10 hours. So eat a good breakfast. That's it for today. Remember, wherever you go, I'll be there. The shine in your Japan, the sparkle in your China. Bodhisattva, Bodhisattva. Ah! Goddamn flashbacks. Guess again, sunshine. Nice little setup. Guns, cheap Russian booze, teenage bra-burning hippie chicks. Man after my own heart, if I had one. Join ah bah c'est les hippies quoi hein. C'est vrai qu'on dirait un peu Depardieu ouais c'est vrai. See the truth and embrace our beautiful new utopia, the Bay City super organic communal collective and compost farm. Are you with us, man? Am I with you, dude? You're bogarting the brain stems. I'm gonna have to kill you. Yeah. Kill me? Run along, comrade. My après c'est RP hein, Depardieu, il y a les Russes. Pacifist. Après je crois que c'est la. Je crois que c'est le stream qui fait que ça saccade hein. What a crunk. Je suis désolé hein, c'est le cas mais. J'ai l'impression que c'est ça hein. Perimeter breached. J'ai l'impression que le jeu saccade un petit peu pour nous quand même. Bongwater is being in danger. Get him out of here now. Boop. Firing. Shooting. Oh fuck. Okay. Mais ça saccade pour vous là ou pas le stream? Attacking. Parce que moi j'ai l'impression que c'est pas. Ouais, j'ai l'impression que ça saccade un peu. Ah, je peux les éliminer avec leur propre grenade. Merde. Ah, mais ils ont plus de grenades. Oh non! Bah, désolé, j'en ai 7 hein. J'avais pas vu que je devais éliminer avec leur propre grenade. Ah, ouais, ça va. Ok. Ah, ouais, quand si ça saccade pas des masses, ça saccade un peu quand même. Firing.
Bongwater is being in danger. Dommage. Get him out of here now. You think we cannot do this inside? What? Looks like. Prepare to dying. Firing. Oh la vache, c'est dur. Prepare to dying. Wouh, c'est bon. Shooting. Are you being able to? It's scary. Try not to worry. Bon, j'ai pas compris comment je fais pour changer d'arme. Poor stupid Trotsky. Oh. Et merci pour le Vosser. Parfait. Mission accomplie. Où sont passés les enfants des fleurs? 100% les Tsubo. Et si on fait les missions à 100%? On n'a pas le temps. Du blé pour du pain. Coyote Bongwater a besoin de votre blé. Les acolytes disent leurs quatre vérités à la bourgeoisie capitaliste avant de lancer leur vente de pain. RP. RP. RP hippie. What's the buzz? Tell me. Est-ce qu'on continue l'émission ou est-ce qu'on va se balader un peu sur la... Parce que de toute façon, il y a ça à aller chercher là-bas. On va nous balader un petit peu. En vrai, le fond, on voit que c'est pas... On voit que ça manque de détails, mais je trouve que c'est vraiment pas trop dégueu quand même ce qu'ils ont fait pour la fin. RB, non. C'est pour viser. La gueule du jetpack me fume par contre. Hop. Non, franchement, ça, c'est vraiment, vraiment beau. Après, moi, du coup, je me suis en 144Hz. Et en vrai, je vous jure que le jeu est turbo fluide. C'est trop agréable. C'est vraiment trop agréable. Le jeu est giga fluide. Le jeu est beau. C'est pour ça que je dis, pour un remake de jeu à l'ancienne, je trouve qu'ils ont vraiment bien bossé. Hein. Hop là, une illustration récupérée. Le 100% peut commencer. Sorry, ouais. Les murs à la Truman Show, j'ai pas regardé Truman Show. Mais j'aime bien le style qu'ils ont fait, ouais. On dirait vraiment qu'on est dans une ville au milieu de rien. Et que vraiment là on est, bah c'est ouais, c'est on... Les terres non exploitées quoi. Du coup, il y a le beacon pour te dire où est la mission. Là, si tu te perds, au moins t'es. Bon, t'es pas si perdu que ça, ça va. Non! C'est bon. Ah, oui, là-bas, j'en vois un. Ok. Et encore, vous n'avez pas vu le gameplay avec la soucoupe. Car oui, à un moment on va débloquer la soucoupe. C'est vrai que le gameplay est assez insane. Mais en même temps, je suis obligé de dire que du bien, puisque c'est un jeu de mon enfance, c'est un jeu que j'ai toujours adoré, donc forcément... Après, moi je serais honnête, si un truc qui va pas, je pourrais être honnête au moins. Pour être honnête et dire que du coup, si un truc est dégueulasse par rapport au jeu de base, bah je le verrai quoi. Yo bro. Seuls les hippies peuvent vivre avec The Freak. Eh hey, madame. Hop là. Hop là. Ils allument les hippies, pas vrai? How's it hanging, freak? Listen, I need a little more info. All right, but hurry it up, will you? You're making me nervous. Où se trouve Bongwater? Here's the thing. I found Bongwater, but he got away before I could ice him. Whoa. I don't know, man. You didn't tell me you were gonna get violent.
You didn't ask. Smart hippie. Okay, okay. Maybe I've heard some things. He's gone underground and come up with a new plan to distribute his revelade. Interrogé sur la planque de Bongwater. Okay, so where's Bongwater hiding? Nobody knows, man. He just sends his goons out to spread the revelade. Sneaky, huh? Just like a snake hiding in the grass. But he can't hide forever. I got a couple of pretty good weed whackers of my own. Et le plan de Bongwater, sinon? Great. What's that wacko up to now? Get this. Somehow, he got his hands on a whole bunch of blimps. Blimps? What's he gonna do? Start a tire company? It's not what's on the outside, man. It's what's on the inside. Gas. He's gonna gas the whole city with revelade. Wow, that's so wild it might just work. Évidemment qu'on va accepter la mission. Bah, on est là pour ça. I'll tell you this. Bongwater's been drinking his own revelade if he thinks his scheme's gonna work. Whatever. Hey, you coming to Jade's party? What? No, I'm gonna blow up Bongwater's blimps full of revelade. Didn't you hear me? Easy, man. Mellow out. What am I doing talking to this creep? Bah, c'est pas logique, le mec nous a reconnu alors qu'on est vraiment une autre personne. Bah, après, il s'y reconnaît la voix, certes, mais... Oh! Alors. Ah, le défaut des jeux de l'époque, hein. C'est-à-dire que, bah... bon, bah. Voilà. On vient de découvrir des triplés, voilà, des triplettes. Littéralement les mêmes, hein. Même vêtements, quasiment. Ah, bah, écoute. Eh, ça, c'est pas l'heure de danser? Bonjour. Pox, we got a situation. C'est vrai qu'ils avaient tous le même style, ça. Bongwater must be drinking his own product. The freak says he's planning to fumigate Bay City with giant blimps full of revelade gas. Great galaxies! That's so moronic, it just might work. So let's get flying, huh? I'm itching for some serious payback. Not so fast, my ultra-violent minion. My scan of the engine core has revealed some critical damage. Ah, crap. The good news is ancient Furon landing beacons were left here eons ago during the war with the Martians. If you can find and activate one of those beacons, you'll be able to summon your saucer. Fameuse soucoupe. Neat trick. And then, I kick a little monkey ass. La fameuse soucoupe. Ça va ton van. Oh, c'est pas le mien celui-là. Hein. Ah, malheureusement, on va pas conduire de véhicule. Hein. Malheureusement. Free Medical Clinic. What Luigi is not telling you? You never know who's my, who Don't might have it. Me, Jerry. Quoi? I'm tripping. Pardon, je voulais pas. Bon, je sais toujours pas comment je fais pour changer d'arme, moi. Je sais toujours pas comment je fais pour changer d'arme. Hein. Là? Bah non, ça c'est. Stupid hippies. Probably having fun right this second. Ah, j'ai trouvé. C'est moi, j'ai trouvé. Hop. Non, la police fait pas. Oula! Wouhou! Wouhou! C'est les Chinois. Je me suis entendu, le gars, il a fait c'est les Chinois! Pardon? Pardon? Qu'est-ce que t'as cru? Hein? Mais! Ouh! Ok, le rebond sur le caillou! Ok! Bon. T'as arrêté de recasser la gueule parce que je vais débloquer mon ma soucoupe et l'accès aux améliorations donc. Hein. Oh, c'est magique, on a l'impression que c'était le pilote. Ah! D'accord.
Amuse thy languid Furon god. Zap my idol with bolts of electricity. Attend the holy syllables of the great Archbootle. My waning shroud of evil is rekindled. Oh là là, c'est tellement stylé! Ah oui, si j'appuie un instant, ça change rapidement. Peut-être que j'en prenne. Peut-être que je prenne. Merde. On va les faire danser. Voilà. Police dispatch, go ahead. Target eliminated. Call them off. Yes, sir. All units stand down. Y'a pas que des hippies qui ont d'abonnés, je vois. Bah, bien sûr. Bien sûr. Ouais, il y avait quand même la. Ouais, il y avait la PSW quand même là. C'est en train de se faire écraser, c'est ça? Ah, typical, hein. Typical, bien sûr. Alors, maintenir X pour appeler la soucoupe. Alors, on va voir cette cinématique. Oh ouais. Putain, pourquoi on entend une voiture de police encore? Oh ouais. Good work getting the saucer here, Crypto. No sweat. It needs to be aired out every 5,000 parsecs or so. It appears the saucer took a hit. Or 12 on the way here. No. Don't say it. I'm afraid we can't possibly take off until the engine is repaired. Ah man, la galère, man. Trop la galère pour réparer, man. Déguisez-vous en soldat pour récupérer les capsules de réparation. En soldat, du coup. Là-bas, je suppose. Ça doit être ça. Juste changer le skin est marrant, mais j'ai pas envie de mettre que ça en vrai. Oh là là. Oh. C'est des micros. Oh. J'aime bien l'idée. What in the world? Hop là. Faut se mettre en soldat, ok. Hop là. Attends, mais faut vraiment rester en soldat tout le long? C'est pas possible. Si? Ou alors à chaque fois il y a un soldat différent? Peut-être? Ovni Presley. Bien vu. J'aime bien. C'est lui qui la hausse. J'aime bien, franchement, ouais. En vrai, je suis heureux là. Juste heureux de jouer à ce jeu. Ouais, ça, à chaque fois faut prendre un. À chaque fois il y a un soldat différent, ouais. Oula! Waouh! Les bikers qui tirent sur la police! Ah!
M'en fous. M'en fous. M'en fous. Pas lui, m'en fous. Hop là. Oh ouais. Merci. On peut entrer là-dedans? Non, je pense pas. Attends, c'est moi, il a fumé sa clope avec son menton là? Attendez. Ok! Ah ouais, dans les années 70, c'était différent quoi, genre c'est... Mais même... même le camion! Détail. Détail qui fait plaisir. Détail qui fait plaisir, ouais. Petit détail à la con, mais j'aime bien. Hop. Ok. Ah oui. Petit baston de robot, là. Right on, time to boogie. Let's go. Let's go. Hop là. Et vous voyez, maintenant, du coup, on peut accéder au cockpit, on peut... Ah, skin de la soucoupe. Aucun abus. Aucun abus. Soucoupe vintage. Oh, elle est trop stylée. Aucun abus. Vraiment aucun abus. Ah ouais. Compléter tous les objectifs de la mission braquage à Sibérie. Ah putain, mais trop bien. Oh le 100%. Oh le 100%. Ça par contre c'est un peu trop... Non mais j'aime bien celui-là moi. Banal mais efficace. J'aime bien. Enfin, j'avoue que celui-là il est quand même stylé. Celui-là est très sympa. Bon, celui-là c'est God Tier évidemment, mais. Ah bon, celui-là. Et du coup, on monte dans le. Ah, le gameplay vaisseau. Hop là. Bombwater a lancé ses blimps dans la ville. Vous devez stopper de polluer l'air avec Revelade. Je fais comment? Attends. Utilisez le drain sur les véhicules pour restaurer votre bouclier. Ah oui. Here we go, Crypto. D'accord. The blimps have entered the city. Oh, it's on! I'll be monitoring the level of Revelade in the atmosphere. But you better destroy the voilà. Crypto, because if the Revelade level reaches 100% saturation, our Bay City brain farm will be turned into a useless den of unmotivated degenerates sitting in front of their TV screens. Voilà. Il faut buter ces trucs là. Hop. Oh, c'est très. Oh, j'aime bien comment ils ont fait ça. Comme un vrai ballon. Détruisez les dépôts de Revelade. C'est où les dépôts de Revelade? Là-bas. On a dit qu'on faisait tout, hein. Salut! Hop. Hop là. Et un dépôt de Revelade. Et deux dépôts de Revelade. Et trois dépôts de Revelade. Ils sont les autres? Là-bas. La voix est trop bien. Les voix sont vraiment pas mauvaises. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont gardé les mêmes voix qu'à l'époque. Ils ont pas retouché. Ils ont juste amélioré la qualité évidemment, mais. Ne sais pas la saturation de Revelade atteindre 100%. Faut se dépêcher quand même quoi. Ok, là y a une réserve. Voilà. Et le dernier. Attends, mais il est où le dernier dépôt? Là-bas. Là-bas. Attends, what? Ah là. Nice.
Attends, faut juste buter les... Another squadron of blimps is closing on your position. Oh, I can't watch. Butons les derniers blimps. Bien, c'est que vraiment, je reconnais vraiment pas mal la... Pas mal le style, enfin la map quoi. Pop those blimps, baby. Let's go. Et BAM! Now that we've handled the Remolade, we need to take out the supplier. Go talk to the freak and find out where Bongwater's hiding. Pour l'instant, on est sur un 100%. C'est le tacocito. Oui, en vrai, ça ressemble à un Sinstro si vous voulez, ouais. Un terroriste attaque les dirigeables! De l'herbe pour tous! Déclare le hippie solitaire appréhendé. Normal. Compréhensible. Si vous voulez. Ah oui, le Slurp Master V8. Aspirer les humains. Récolter de l'ADN pour le mixeur génétique. Tout le disponible dans la soucoupe. Et en fait, pour améliorer les armes, il faut utiliser ce mixeur génétique. Si je dis pas de conneries. Et on peut aussi améliorer, voilà. Donc on améliore, vous voyez. Ah non, c'est avec le Furotech, pardon. Voilà, chaque arme a l'amélioration, machin. Voilà. Donc. On peut améliorer le séparateur. Attends, ça c'est quoi? C'est les automatiques? Attends, moi j'ai amélioré l'autre, moi. Accélération. Ouh. Bouclier. Voilà, le disloqué. Moi je veux ça, moi. Tire plus vite sur les véhicules. Augmente la vitesse de charge de disloqueur sur les véhicules. D'accord. Les disques se dirigent vers une cible secondaire lors du second rebond. La plus intéressant. Bam. Let's go. On peut même améliorer ça, en vrai. Voilà. Après pour le reste par contre faudra faire plus tard. Voilà. Et du coup on a le mixeur génétique. Ah non, le mixeur génétique c'est pour... Bah c'est, ça fait partie du 100% le mixeur génétique. Je vais essayer une capacité psionique à l'améliorer. La capacité psionique bloquée ne sont pas disponibles. Continuez à jouer pour toutes les débloquer. Récupérer des combinaisons spécifiques de sujets de recherche humains. Calibrer le slurp vis machin. Oui en vrai c'est ça. En gros on va récolter plusieurs types de personnages. Enfin de persos. Donc les hippies, les flics et les soldats. Et en fait on pourra faire des mix qui vont nous permettre de débloquer des compétences en gros. C'est ça. Consulter la progression machin. Suite à l'épissage, la compétence subsociologique correspondante s'active automatiquement débloquant l'amélioration supérieure disponible. Voilà c'est ça. C'est ça. En fait c'est pour améliorer les effets, les bonus, enfin c'est pour améliorer les compétences. Voilà c'est ça. Et donc vous voyez par exemple... Bon bah ouais, je sais plus comment ça fonctionne après, j'avoue. Ah ouais, je sais plus trop comment ça fonctionne. Mais du coup on peut améliorer le psycho, la possession phyronique, l'amour libre, tout ça, etc. Donc là par exemple il faut choper 30 hippies, 20 flics, 10 soldats. Et on peut, je sais pas montrer, mais on peut suivre la recette. Voilà. Enfin, j'appuie sur A mais ça fait rien. Et du coup on va là-dedans. Hop. Et en gros ce qu'on fait c'est ça. Et ouais, on peut attirer les gens. Oh, merde. Ah, je fais comment pour les gens? Ah oui non c'est ça. Pardon. Allô? Ben. Je sais plus comment on fait. Ah non, faut pas que je reste avec lui dessus. Non. Bah, je sais plus comment on fait. Ça c'est pour l'envoyer, mais je fais comment pour qu'ils soient aspirés? Ah c'est ça, pardon, c'est Slurp Master. Bah oui, voilà. Voilà. Et oui, par exemple, sur les 20 soldats, sur les 10 soldats, j'en ai récupéré un. C'est ça. Et du coup, on peut améliorer notre vaisseau comme ça. Trop bien. Hop là. Ah, c'est un jeu de collecte, hein. Mais là c'est littéralement, c'est à dire que vraiment c'est un jeu de collecte quoi. Si tu collectes les gens.
Hein? Aucun sens. C'était pas si simple, il me semble, de mon temps. C'est un jeu de ressources, exactement. C'est comme sur Minecraft avec le bois. Bah là, c'est pareil, là, faut récolter des humains. Attends, ils sont les soldats qui lui tirent dessus, là. Ah, vous voyez, je suis full en soldat. Du coup, maintenant, je vais aller chercher du flic. Ensuite. Dommage, fallait pas se balader sur les bords, les gars. Oh, que vois-je ici? Ce bruit. Allez. Vous attendez? Ah, quand il me guide, il fait... Incroyable. Oh. Bon appétit, bien sûr. Attendez, encore? Vous entendez ou pas un peu? Ok, maintenant il faut que des hippies. Donc les hippies, on sait où les chercher. Là. Et voilà. Et donc là, on va dans le mixeur génétique. On a ce qu'il faut. Et on mixe. Vous vous doutez bien qu'on les a mixés. Bon, voilà quoi. Voilà, nickel. Et donc après, la suite pour les améliorer, ce sera dans d'autres mondes. Et donc en gros, là par exemple, vous voyez, on peut améliorer ça encore une fois du coup dans ce monde-là. Ici, pareil. Là, par exemple, pour l'extraction de troncs, on peut pas utiliser. Enfin, on peut pas l'améliorer dans le monde où on est actuellement. Etc, etc. Par exemple, là, on peut faire du coup agent du KGB, flic, soldat. Donc, par exemple, flic. Oh ! Les agents du KGB, on sait où ils sont. Ils sont sur la petite île au milieu de l'océan. Là. Donc, il nous faut 20 agents. On arrive là, on fait bonjour. 1, 2, 3. Ah! Mais c'est vrai que. Ouais, au revoir! C'est bon, j'ai compris! Ah oui, du coup, les agents du KGB sont pas si simples à avoir. Hein. Du KGB, pardon, parce que je dis KGB, mais. Hop là! Bon, notre vaisseau est un peu dans la merde. Hein. On va se réparer un petit peu, hein. Voilà. Bah écoutez, oui, j'ai fait des choses qui... Bah oui, écoutez. En vrai, y a pas que Hyper qui a fait le KGB, hein. Et voilà. Ah bah quand on va dans une base militaire, bizarrement, on va avoir des soldats, c'est suffisant. Enfin, on a ce qu'il faut, quoi. Ah ça, je peux faire comme ça aussi. Bien sûr. C'est un grand moment de gaming quand même. Hein. Hop là, on répare notre petit vaisseau. Mais où? Mais que fait la police? Ah, la police! Voilà. Et maintenant, on va chercher les agents du KGB qui nous manquent, tout en évitant évidemment les missiles. Tranquille. Et où sont les agents du KGB? Ça va, bleu?
Attends, mais oui, mais c'est pas des... Mais non, c'est des soldats, ça. Hein. Non, mais j'ai pas besoin de soldats, moi j'ai besoin d'agents du KGB. Comment faire? Ah, j'ai aspiré tous les agents du KGB? Merde. Oh non, ils ont plus de réserve. Alors bah, faut juste que je me barre, je pense que ça sera suffisant pour. Ça sera suffisant. Bon, allez hop. Ça suffit les conneries. On y va. On a évidemment du travail. Allez. Mip mip. Why I won't drop ass. Where'd that little freak go? Ah, faut que j'en mette autant Ah ouais? Oui, je suis en difficulté vraiment hardcore là. Ah. Ah, c'était là. Je vais trop... Ah mais non, mais c'est encore lui. Oh. Quelqu'un est motivé pour se faire... Ouais. J'ai un mot en tête, mais c'est pas celui que je vais utiliser, je pense. Ah. Monsieur l'agent, calmez-vous. Calmez-vous, monsieur l'agent. Vous vous rendez compte? Nous calmons la violence des gens avec de la musique. C'est quand même beau. Allez, zou. L'extraterrestre qui m'a sondé. You all right, man? So, into politics? That President Huffman's doing a heck of a job, ain't he? Huffman? Are you high? America's become like one giant Orwellian nightmare! Thanks to lying corporate flunkies like him, human race would be better off if he'd never been born! Well, can't argue with that. Can't argue with that! Bon alors. Bon, just water, là. Tell me where Bongwater is so I can whack him and get back to making hot monkey love. When you're packing a new Ferrari, you don't want it gathering dust in the garage, you know what I'm saying? Not really. And Bongwater, what can I say, man? Nobody's seen the dude. Well, ça c'est du doublage comme j'aime ça. What can I say, man? Ça c'est du doublage, j'aime bien. Who's Prudence? His insurance broker? Ah, dear Prudence. No, she's Bongwater's new protege. Kind of a revolutionista in training. Anybody knows where Bongwater's at? It'd be Prudence. He sounds like a real firecracker. Maybe I should introduce myself. Okay, donc on va trouver Prudence et se présenter. All right. I'm off to introduce myself to Prudence, see if I can convince her to give up Bongwater. Allez. Ici, il y a des personnes autres que des hippies, et c'est juste que là, on est dans la zone. On est dans la zone hippie. En gros, tu verras, il y a plusieurs mondes différents, et à chaque fois, il y a ses particularités, on va dire. Bien que l'histoire se suit, il me semble. Hein. God, I want it. That they never let me hear the end of it. Ooh. La chanson de jukebox. Ok. Le 100%, le 100%. À la recherche du 100%. Toujours. Après, je me demande, est-ce que je suis chieur au point de... Non. Parce que je pense pas que je pourrais. Est-ce que je fais pas le 100% d'un monde entier avant de le quitter? Je crois que je pourrais pas. Parce qu'il me semble qu'on va débloquer des musiques au fur et à mesure. Wouah! Wouah, man! Ah ouais! C'est pas mal, ça régalade! La régalouf, les gars! Monsieur l'agent, excusez-moi!
Guess I better take it easy on those hippies at the park. Last thing I need is Prudence Kane's rich publisher daddy calling up the chief and chewing my ass out. Ah, y a des tourelles hippies. Bah c'est RP hein. C'est RP. That Prudence thinks she owns the park now that she's Bongwater's old lady. Bitch. I'm the madman. What the fuck? Paul is dead. I buried Paul. On est là. Brothers and sisters, children of the revolution, this is the dawning of the age of aquariums. My name is Prudence Kane. Like me, many of you joined the American Liberation Front as a way of getting back at your rich suburban parents for subjecting you to an adolescence of obscene luxury. Servez. Menacer les hippies. Non. Look, princess, we ain't here for the opening act. Where's Coyote Bongwater? Sadly, our leader, Coyote Bongwater, cannot be with us today because he is setting in motion a grand design to transform this entire city into a countercultural utopia. Let's go. This city is about to become one big happy commune. Suck on that, daddy. Let's go. Ensuite, bon matin. You gotta be kidding me. That patchouli reeking nutbag, he makes the rest of you hippies look lucid. Okay, I'll give you the patchouli. But our beloved leader is not a nutbag. He is a cosmic visionary. Oui, le Christ cosmique. Revolution. C'est ça, le Christ cosmique. Wise in the ways of political, spiritual, and sexual healing. Ah, oh, j'ai la rêve de sexual healing. Je l'insulte à nouveau. He's a stinking monkey with delusions of grandeur, or a crook, or both. He is not. He's a great man. Stinky monkey. Great man. On peut faire ça pendant des heures, je m'en fous. Stinky minky. Great man. Easy princess, pop another Valium. Qu'est-ce que c'est? All right, so what's Bongwater up to this time? So how can Coyote Bongwater possibly free the minds of a whole city the same way he freed our minds with Revelade? How did I know that was coming? Dire du mal du Revelade, allez. Revelade? Oh, I heard that stuff will give you a limp linguini. Limp linguini? Wilts your vine, tames your tiger, chops down your magic beanstalk. What? Ambiance. A park full of potheads, and you're telling me nobody here's ever had erectile dysfunction? Last time I open up to you people. Chacun ses problèmes. Revelade sounds yummy to the tummy. So, oh, les expressions américaines, putain. Yummy to the tummy. Brothers and sisters are about to deliver the final batch of Revelade to our leader, Coyote Bongwater. He's gonna pour it into the bay. Soon the masses are gonna be begging us to lead them in revolution. Those Revelade trucks could be a serious thing. Le fume a fait que des énormes and I haven't blown anything up for at least 10 minutes. Much like a figurative. Hello, boys. There's more to this than meets the eye. This Revelade isn't a coincidence. It's an attack! Take out those trucks immediately! Oh, wait. Go, 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 go. Oh, my God. Man, that was so real. Watch it, man. Pardon, excusez-moi. Boom! Attendez, je fais des missions. Pardon! Sorry, dude, sorry. Ah mais attendez. Mais ça va les vannes de la destruction là? Pardon. Qui sont les autres camtars?
Oh non, me dis pas que j'ai fucked up juste parce que j'ai... Non. Non, 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 non. Non, me dis pas ça. Oh non. Mais mon baril! Oh putain. Et c'est quand il reste un camion pété? Ah bon? Oh. Là je vais aller chercher. Oh fuck dude fuck! Oh je suis trop chaud en fait. Ah oui, il restait pas qu'un camion en fait. Mais il est pas mort lui. C'est bon. Il a mis les soldats avec leurs propres roquettes. Ah d'accord, c'était ça le truc, d'accord. Vas-y viens. Merde. Non t'es pas décédé mec. Remonte. Frère remonte. Ah mais c'est bon, je vais le faire qu'une seule fois. Double kill. Je fais que passer. Don't mind me. Vous voyez le camion? Hop. Vas-y. Ça veut dire que quand ce sera amélioré au max, l'arme ça fera des rebonds, des méga rebonds. Ça va être incroyable. Oh, putain, je me rappelle de cette zone. J'en dirai pas plus évidemment, mais je me rappelle de cette zone. Je m'en rappelle. J'ai la tenue pour en plus hein. Oh non Gérard, t'inquiète pas Gérard. Oh c'est une flèche de... Oh man. Oh, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Oh, c'est incroyable. Oh, man. Et y avait quoi dans ta flèche, man? Ah ouais. Elles ont tous des grosses têtes. Ah ouais. Oh, c'était énorme. Ah. Allez, bam. T'as même pas à m'emmerder comme ça non plus, oh. Flouve dans l'eau. Non mais très bon détail. Genre très bon détail en mode on est tellement pété que bah du coup tout le monde a des grosses têtes et tout. J'aime bien. Esquiver le tir de Bangwater. Ah mais il va pas tirer dessus encore. Merci virgule. C'est beaucoup pour le dixième mois. Eh hey, toi là. Tiens-moi dessus frère. Ah tiens-moi dessus. Excuse me. Eh hey, hé! Maintenant je te pète la gueule! Oh merde! Oh non, man, il m'a eu! Oh non! Oh, je vais t'avoir, mon pote! Ok.
Alors j'ai tué. Ah mais d'accord, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs bons water. Logique. On voit ça qu'on est hide, forcément. Oh, salut! Je vais t'avoir, mon pote. Wow. Elle a poussé où, les gars? Ah, mais putain, oh, sa mère! Wow. Au secours! Au secours! Tiens dans ta mère! Easy, everything's cool. Ah ouais, y a un petit poisson, mon gars. Quel enfer. Quel enfer. Oh, mais je me souvenais pas qu'il y avait un fight comme ça dans le jeu, par contre. Je pense un fight comme ça, ça m'aurait marqué. Bon, je pense que c'est un ajout, ça. Après bon, je suis pas... Mes souvenirs sont date, hein. La dernière fois que j'ai joué, c'était il y a 12 ans, donc... Mais c'est pas possible. Y'a pas un monde où je peux le taper avec ça? Ah, oh non, Gérard! Oh, il m'a encore eu, le salaud. Et... Oh, mon gars! Oh non! Il y en a encore plein! Et t'es où, mon gars? What the fuck? What? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bridget! Bridget, Bridget! Let's go. Très beau fight. Très très sympa. Bon, de base, on a juste fait ça, quoi. Alors, Gérard. Agent Orenchov, come in. I failed. You'll have to start the revolution without me. Sad. La commu. Yet? But... This city is useless to us now. I mean, have you seen these people? They make the students in Prague look like a meeting of the Politburo. We shall destroy this degenerate city and return to the Soviet Union with the spacecraft fragments we have managed to retrieve. But what about freeing America from the tyranny of capitalist consumerism? Do not despair, comrade. The party will long remember your efforts to cripple your decadent nation. You shall not have died in vain. Orenchov out. But... no! No! I wanted to save America, not destroy it! Oh, man! Bah alors, Gérard. What have I done? Bah oui, Gérard. Excuse me. Sometimes it's kinder just to put them down. Oh, il avait un morceau, le mec. Ah, je me souvenais même plus que ça finissait comme ça, genre. Ah, je me fais ce que... Ils sont des blocs? C'est quoi ça déjà? Stylé. Stylé. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à minuit, je pense. Ah oui, c'est le rayon désintégrateur. Trop bien. C'est assez, ça, c'est des trucs très forts pour... très forts pour buter les gars. Allez, du coup.
Du coup, on peut transformer les items en munitions. Voilà. Mais ça, c'est le truc pour buter les gars, ça. Si j'ai pas de conneries. Waouh. Hop. Y'a rien d'autre à récupérer ici. Je crois pas, hein. Vraiment, je me souvenais plus de qu'il y avait un boss fight ici. J'avoue. Ah. Oui. Oui, en plus vu que c'est un jeu à l'ancienne, il y a le tir auto, hein. Bien sûr. Attention dans le tunnel. Boop. Belle mort. Oh, eh oh, wow. Et là, le jeu est en train de te dire utilise l'arme. La survie, ça me connaît. C'est un 100% ou pas? C'est un 100%, monsieur. Let's go. Ah, let's go. Nice. Bang bang, l'homme abat le bong. Pas mal. Beau titre. Nice. C'est que c'est celle-là. J'ai l'impression que vous avez une belle commu. Ça va. Il y en a 2-3, on dira pas qui c'est évidemment, mais il y en a 2-3, ils sont un peu bizarres, mais sinon la majorité sont sympas, ouais. Ça va. Is it the fudge? Mais on dira pas qui évidemment. C'est pas là. Allez les gars! Oh oui! Ok, nouvelle affiche trouvée. Ah, le 100%. Le 100% qui se fait. Oh bah attends, mais 100%? Tiens, évidemment. Hop, on va reprendre ça parce que c'est la meilleure arme. Attention. Oui. Ok. Oh mais attends, mais là-bas il y a plein de trucs à faire. Je peux pas y aller, je pense, pour l'instant. J'ai juste que le streamer l'a commu qu'il mérite. C'est vrai que sur certains points ça va, je suis acceptable, mais sur d'autres c'est chiant, quoi. C'est vrai. Non mais c'est plutôt réaliste, ouais, c'est vrai. J'espère qu'il y aura des armes plus intéressantes. T'inquiète. Après, les armes peuvent être améliorées. Et tu vois, ce truc-là, full amélioré, je te jure que c'est un bonheur. Je te jure que cette arme améliorée, c'est un bonheur. Moi, je suis un peu déçu parce qu'avant ça faisait autre chose, c'était bien plus marrant. Avant c'était un vrai ragdoll. Là c'est un faux ragdoll, je dirais. Je suis un peu déçu. On est où sur la carte actuellement? Ah voilà, c'est ça. Il y avait un truc ici. Ah. Non, y'a pas d'alien, hein. Oh non. Goddamn flashbacks. Voilà. Là, y'a un petit gars, voilà, pour le vaisseau. Bonjour. Arkwood requires slaves. Female slaves. Preferably buxom and scantily clad. By the sacred genitalia, heed the will of Arkwood. Supplies? C'est un remaster d'un vieux jeu, ouais. C'est un jeu qui était sorti sur PS2 à l'époque, et c'était un jeu que j'ai fait dans mon enfance.
qui était trop trop bien. Qui était vraiment trop trop bien. Et je suis trop... Bah juste je suis trop heureux d'y rejouer quoi. Juste trop heureux d'y rejouer quoi en fait. Hop là, et de deux. Je sais pas si je peux les attirer d'une autre manière, les... Mais ouais, c'est incroyable. Il est génial comme jeu. Ah, mais c'est... En fait, si vous aimez bien, par exemple, les jeux genre Saints Row, parce que c'est vraiment le même délire, sauf qu'on joue un alien. Eww. Some seriously good stuff. Merde, mais non, j'ai mis trop. Bah, plouf, hein. Mais ce jeu est incroyable. Je suis trop, trop heureux qu'il soit sorti, hein. These females are fly and off the hook. Landing zone activated. Hein? C'est quoi time? Ok. J'ai entendu it's orgy time, mais ouais. J'espère que j'ai. Ouais. Allez hop! Strike! Tellement mal lancé. Bon, comme vous pouvez voir, ils sont pas très contents. Ah oui, il me manque ça. Il me manque 6 agents du KGB. KGB, c'est là. Je pense que ça respawn depuis. Non? Ah, si, là. Aïe. Il n'y a plus d'agents du KGB, bordel! Il faudrait un autre endroit où il y a des agents du KGB, mais je sais pas où. Attends, y a quoi comme mille... Bon, ouais, on a un peu une idée de... Bah, bon, après, ça nous montre que les zones d'atterrissage, mais du coup, il y a plusieurs zones d'atterrissage possibles. Mais par contre, ouais, les agents du KGB, je sais pas où ils sont. Parce que je sais qu'il y en a, bah, du coup, sur l'île principale là, parce que c'est là où ils sont cachés. Est-ce qu'il n'y en aurait pas genre là peut-être? Allez voir. Voilà. Tout ça c'est là. Ça c'est des soldats. Ça c'est des soldats. Ouais. Ah tout ça c'est soldats après. Donc non. Y'a pas une maison au tout début, y'a peut-être... Attends, qui traînait. Ah oui, la maison de l'autre gars. Bah, vu que la maison a explosé, je pense pas. Ok. Y'en a un de temps en temps qui pop... Y'en a un de temps en temps qui pop sur le port, ok. Wouh. Ah oui, je crois qu'il y a un peu trop d'alerte là. On fait des réserves si on a besoin pour plus tard. Après, où est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres agents du KGB? On va le barrer cette histoire. Hein. Il respawn pas sur leur île de con là. Il doit y avoir un autre spot, mais je vois pas où. C'est vrai si je joue tout là-bas? Ah. Ah, le confinement, bien sûr. C'est bien sûr. Ils sont adaptés, hein. Ah, on n'a pas encore de mission secondaire pour l'instant.
On est encore pas mal aux missions, mission principale. Il y a pas encore les missions secondaires. On se trouve le jeu. Bah trop bien. Je suis trop heureux. Comme dit, c'est un jeu de mon enfance, donc en vrai, je suis trop content d'y rejouer en vrai. C'est juste trop bien. Est-ce que je peux encore améliorer ça ou pas? Non. Ah, il m'en faut 16, c'est ça. Et j'ai pas assez d'ADN. Hein. Ah non, c'est pour restituer ça. Réanimateur, ouais, ça aussi on peut améliorer, ouais. Bouclier, augmente la puissance du bouclier. Bof. Accélération. L'accélération déclenche une petite onde de choc qui fauche les ennemis et dévie les... Oh bah, on va go. On va go. Ça, on a un petit onde de choc et on va un peu plus vite, j'ai l'impression. Wouhou! Eh on! Oula oula! Calme-toi frérot, calme-toi! Hop là! Mais qui est Ark Woodle? Interrogez pas sur Ark Woodle. Wow! So, our Furon god is buried in effigy all over Earth. Who'd have thunk? Ah yes! Ark Woodle of the Sacred Crotch! Prodigious in size! L'entrechambre sacrée, mais merde! You put me in mind of him, Crypto, with your new clone's pure Furon DNA and restored genitalia. Yes, you are the spitting image of... Good gonads! The prophecy! What? What prophecy? It foretells the coming of a savior who will reassert the sexual dominance of the Furon race. Tis written ah, c'est un jeu 2006, hein. Pudenda. And lo, a son of Ark Voodle shall rise, newly born. To prepare ye for that day, when Ark Voodle shall come again. Wait a minute. It sounds incredible, I know. But Crypto, what if it's true? What if you're... the one? I did take a red pill this morning. Eh ben, s'il faut ressusciter Ark Woodle, on va ressusciter Ark Woodle. Ok, just for the sake of argument, let's say you're right. How the hell am I supposed to bring about the second coming of Ark Woodle? The scriptures say Ark Woodle will return when enough seekers believe in him again. You mean like Tinkerbell? Something like that. But Crypto, this is ideal! Humanity is desperate to reconnect the physical and spiritual. All that's needed is for you to spread the good pickup line of Ark Voodle. They're bound to follow you. You want me to start a cult? Basically. Let's go. Religion is the opiate of the masses. I like it. C'est l'opium du peuple, pas des masses. Well, humans tend to sublimate their individuality into tribal units bound by social and political commonality. Such groups are full of docile sheep, ripe for conversion to the way of the Sacred Crotch. Hail, Ark Voodle! Parfait, parfait, parfait. Salut, Zaben. Le jeu avait une coop, je me semble aussi, ouais. Ça me semble. Time to get religious. Hallelujah. Before you do, it would be wise to go and seek the blessing of Ark Voodle himself. What? You mean one of those statues with a pigeon crap on it? Precisely. Seek the blessing of Ark Voodle and your cult will prosper. If you say so, but I'm gonna feel like a putz. Je vais me sentir un peu gland. Ça, c'est une expression, ça, se sentir gland. Ça se dit. Ça se dit, se sentir gland. Se sentir gland. Comment doit-on se laver le... Ah, et c'est bon. Ok. Activer la percussion PK en étant au sol. Donc on appuie sur... Ok, on appuie sur les deux sticks. Ça marche. Ok.
pas écrit gluant. Mais jamais il y avait marqué gluant, je crois. Débloquer la zone d'atterrissage. Ok. C'est quoi ça? Ah mais oui, c'est justement c'est le. Et ça fait ça. Je vois, il y a plein de. D'abord, faut débloquer la zone d'atterrissage. Ok, allons-y. Ok. Oui, oui. Attendez, cut. Cut. Let's go. The glory of our poodle grows from the highest state of chaotic fecundity. When the ring turns orange and the population's nerves are frayed, then shall the ground be fit to sow, and the masses shall follow. Thus spake Arkvoodle. Bound chicka bound down. Bound chicka bound down. Ça va, bro? You're the baldest hippie freak I've ever seen! Ah! Punk! Ooh. I am an out of body! C'est quoi la percussion PK? J'ai pas compris. Attends, mais. Attends, c'est moi ou j'ai mal lu? Parce que j'ai l'impression que j'ai rien compris. J'ai l'impression que j'ai mal lu cette histoire. D'ailleurs, changeons un petit peu de style. Passons sur un BFG 137. Allez. Attends, manuel crypto. Mutateur, le bon, le truand, le furon. Quoi ? Ouais, attends. Ah, mais c'est en vaisseau. Ah, oui, d'accord, faut juste que je débloque la. D'accord, d'accord. Mais là pour l'instant du coup je peux pas en éliminer quoi. C'est surtout par rapport à la. Allez montez en orange les gars, montez en orange. Wouh. Et là on est en vert. Ah là bah oui, s'il faut éliminer les gens, on élimine des gens quoi. Ouch. Bah ouais, bah ouais. Boop. Ça pop. Ouais mais la percussion, je peux pas la faire pour l'instant. Non c'est pas, non non c'est pas une arme, c'est un truc de, c'est sûrement un truc de vaisseau ouais. C'est quoi sa bête fouineuse? Je crois que je le débloquerai plus tard, mais maintenant. Did you see that brain pop? Allez, bordel, je. Bah, donnez-moi l'orange alors. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon, on a ce qu'il faut. Bon, celui-là, le skin n'est pas fou, hein. C'est bon, t'es content? Ah mais c'est pas assez pour toi Orange. Enfin c'est pas Orange pour toi ça. Bam. Ah celui-là est pas fou, ouais, je suis d'accord. Alors que celui-là. Celui-là, ouais. Ah ouais, ah oui, c'est. Petit style, petit style. Allez, bordel, on va monter en orange, on va monter en orange, on va monter en orange. Voilà! Spread the good p-
pick a line of erotic satiation. Go, son of Arkoodle, take the sacred crotch to the masses. Mais putain, mais non! Ah non, mais je... Non! Non, vous m'avez... Non, vous m'avez Doom. J'ai pas... Non! Non, 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 non! Putain, putain... C'est pas le 100%, merde! Arkoodle dit, venez encore et encore. Come again and again. Deux hésitations, si... Ouais. 6ix9ine, contemplez le qui vient. Oh non, 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 elle est pas refaisable la mission, non, elle est pas refaisable, non. Le 100% sera jamais faisable. Bon bah, je recommence une partie du coup. Hein. Quand vous êtes chaud, non c'est pas vrai. Putain. Oh, je suis deg. Oh, je suis deg. C'est le clown. Ah, je suis deg. Bon bah j'espère que ça va pas influencer hein. On peut pas refaire, non on peut pas refaire. La paix universelle, mais compléter tous les objectifs de la mission. Mais ouais, non mais... Oh, par contre celle-là, elle a un flow. Oh, c'est des bongs. Ces réacteurs, c'est des bongs. Ah ouais. Ah si, je reste avec lui hein. Il est trop bien ce skin hein. Bah non non, la mission est finie hein. J'espère que ça va pas... Ah ouais, j'ai pas l'impression que ce soit si grave. Mais bon. Oh. Culte Dark Voodle ici. Mais ouais. Non, je peux, normalement ça devrait pas influencer, mais bon c'est chiant. Du coup. J'ai pas bien utilisé la percussion PK. Oh. Non. Bon, t'as celle d'avant, mais c'est trop tard, je peux pas. Pour les skins. Bah non, mais pour les skins, il y avait j'ai pas l'impression qu'il y avait quelque chose de prévu. Parce que les canons de Alcatraz, c'est pas ça. Non, non, le culte Dark Voodle, Dark Doodle, il y avait rien. Réussir tous les défis du DLC. Il y a un DLC. Comment ça? Il y a un DLC. Vraiment? Non, mais je crois qu'il y avait pas, je crois qu'il y a rien. Pardon, je voulais pas vous faire du mal. Il veut quoi lui? The desecration of this land offends mine all-seeing eye. Read the vicinity of human-made refuse. Thus spake Arkoodle. Well done. Ah. Ah. Voilà. For thy service, I grant thee some serious swag. Landing zone activated. Du swag? Salut, bro. Ah, les flypies ne groove qu'avec les terriens. Bah attends, je vais te chercher un terrien. Mip, 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 mip. J'aime trop la tenue qu'il a par contre. Hein. Hey, look! It's John Blair! We're out. Ta-da, swing. Bon, vu que la VOD va bientôt cuter, je vais la cuter maintenant. Comme ça, il y aura de la... comme ça, ce sera propre. Et on va pas cuter en plein milieu d'une mission. Du coup, à toute la VOD.